de voir, et vraiment, où vous avez été, puisque Jérôme a évoqué un petit peu les péripéties du club ces dernières années, et que ça vous, ça tous les bénévoles qui ont au club, effectivement, peut-être que vous ne serez pas là ce soir. Donc, encore une fois, bravo. Vous parlez des jeunes, effectivement, et je disais à Jérôme, encore vous jouez, parce que je parle toujours de tous les clubs français, mais je m'en fous. Que ce soit en Fédéral 2, en Fédéral 1, en Fédéral 3, en Promotion de l'Homme, moi, ce qui m'intéresse, c'est combien vous avez de jeunes avec le monde, et combien on va aller chercher. C'est ça le plus important. Et à partir du moment où les présidents comprennent un peu plus, la base sera conséquente. Et on ira chercher un milieu scolaire des gamins, on ne se posera plus jamais de soucis pour savoir si on a assez de seniors ou pas. C'est une évidence. Il faut mettre les choses dans l'ordre. La priorité, ce sont les jeunes, c'est les écoles. Et ceux qui font le travail, qui envoient leurs éducateurs dans les collèges, dans les écoles primaires, etc., et ils n'ont jamais de problème au niveau des seniors. Jamais. Jamais. Et des cas comme ça, je vais en citer beaucoup. Et un qui me plaît, c'est le club de Brive. Brive, le rugby, c'est le sport numéro un. Et quand j'ai dit à José, le président de l'association, tu sais, tu devrais aussi envoyer des jeunes, tu sais, voilà, moi j'ai l'école de rugby assez conséquente. Et puis cette année, il s'est aperçu qu'il avait perdu quelques gamins. Il a envoyé des éducateurs dans les écoles primaires. Il a fait plus de 15% dans le même mois. Et même après, et ça montre bien, encore une fois, il y a des cas comme ça, hors thèse, il y en a beaucoup qui me téléphonent et me disent, tu avais raison, là, il faut qu'on rentre à nouveau dans le milieu scolaire, parce qu'on a des valeurs en vente, on a un sport magnifique, et il faut inculquer un maximum de jeunes. Et c'est pas ça que je parle de beaucoup. Et toute la journée, j'ai des présidents de club, de champion, de dimanche, etc., qui ont des problèmes financiers, etc. Ils te parlent que de l'équipe première. Il y a que ceux qui les intéressent, c'est l'équipe première. Ils se trompent de combat. Ils se trompent de combat. Et je leur dis, attendez, la base, elle est costaud. Alors, non, on ne progresse pas au niveau des jeunes. Vous devriez progresser au niveau des jeunes. C'est bien beau de dire, on veut jouer à Fédéral 1, on veut jouer à Fédéral 1. Mais bon, tôt ou tard, c'est difficile. Tout le monde ne peut pas y jouer, on le sait. Mais la Fédéral 1, pour moi, c'est professionnel. On est amateur, mais c'est professionnel. Mais, peu importe, encore une fois, le travail à la base, le maximum des gamins. Et puis, ceux qui seront bons, ils joueront à l'équipe de France. Mais notre premier combat, c'est faire du social, entre guillemets. C'est éduquer, c'est apprendre à jouer au rugby. Et tant mieux, s'il y a des bons, mais les bons, ils iront aussi, puisque. Jérôme me disait que vous aviez un partenariat avec le Racing, pas mieux, où ils iront à Brive, où ils iront ailleurs, on s'en fout de ça. L'important, c'est qu'il y ait un maximum de jeunes qui jouent, et puis qui surtout après soient fiers de porter le maillot de l'équipe senior à 10 ans. Mais moi, depuis gamin, je joue ici, c'est mon club. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Et là-dessus, vous pouvez compter sur la fédération, vous savez que, Florian a dû vous en parler, on embauche des cartes techniques de club, donc ce sera la mission. Ils auront deux missions, former les éducateurs du club, ça c'est clair. Et la deuxième, c'est aller dans le milieu scolaire, recruter, initier. Voilà. Et il y a un travail de fond considérable. Vous savez, moi je suis présent avec Claude Vestal, je l'ai dit durant toute ma campagne. Et je lui disais à Claude, pourquoi vous êtes les meilleurs du monde? C'est vrai que dans le monde, on est les meilleurs du monde. C'est quand même besoin. Ça glorifie. Et puis tu sais, il y a 30 ans, et j'y étais pas. Et la politique de la fédération, ça a été on m'a rentré dans le milieu scolaire. Alors c'est vrai que c'est plus facile d'aller jouer au hand dans la cour que de jouer au rugby. Mais quand on dit qu'on veut rentrer dans le milieu scolaire, on ne peut pas apprendre les gens à plaquer sur le monde. Voilà, il y a tellement de multitudes de jeux, d'abord jouer à les ballons à mousse sur les gamins, qui nous fait pas mal, et puis jouer l'évitement. Voilà. Exactement. Ouais. Des sports qui font que mais celui qui s'appelle, il va dans un club, il apprendra à plaquer, parce que c'est le club qui lui apprendra. Mais encore une fois, ce travail que le hand a fait, il y a une trentaine d'années, qu'il continue de faire, il faut qu'on le refasse. Et si on le refait, alors je vous garantis qu'on gagnera à l'essentiel, il faut savoir qu'on en perd l'essentiel. Et alors maintenant, on me dit, oui, c'est à cause de la commission cérébrale. Non. On en perd depuis 5 ans. Et la commission cérébrale, il y a 5 ans, on n'en parlait pas. Donc, ce n'est pas une plus-value, hein, c'est évident, avec la commission cérébrale. Mais ce travail, je répète, de formation, d'initiation dans les milieux scolaires, c'est notre combat numéro 1. Et nous, le 21, c'est une certitude. Et vous vous mettez en synergie avec.